il en passe 1, il en passe 2, il en passe 3, la roulette, il est tout seul, la meilleure passe d'Aurel, le festival, la frappe, elle est vue, on sait à peu près là où on va, on sait ce qu'on veut faire, on ira avec l'ambition de jouer et de bien jouer. Ici. Et non, ici c'est pas Paris, ici c'est Chelsea. Et ici c'est fini aussi pour les supporters du PSG. J'ai une petite pensée pleine d'amour pour eux qui sont tombés sur plus fort et clairement plus expérimentés. Et on en parlait tout à l'heure, en fait, comment ça se fait que Chelsea a réussi à renverser la tendance et remporter ce quart de finale. En fait, ça dépend des points de vue. On va d'abord écouter la version d'Eto. C'était juste incroyable. En plus, le scénario marquait le premier but à première mi-temps. Et le second, pratiquement, comme Mourinho l'avait dessiné. Il l'avait dessiné, ça? Oui, à la fin. Il... C'est juste incroyable. Et donc, là, on a Mourinho son point de vue, et en même temps, on a Eto son point de vue, et en même temps, Mourinho répondait aux questions d'une télévision italienne à côté. Et voici ce qu'il a dit. Pour ceux qui ne parlent pas italien, je traduirai après. Che entra Schürrle e Schürrle segna. Entra Dembaba e Dembaba segna. Questo si chiama... Culo. Alors pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire culo, en gros la question était sur le rentre il marque, Dembaba rentre il marque, comment ça s'appelle, il a répondu avoir du cul, soit il avait bien planifié son truc, soit il a vraiment un bol monstrueux, mais en tout cas tout était prévu selon Eto. Puisqu'on parle de Chelsea cette semaine, pour se préparer au match du PSG, ils se sont entraînés au basket. On leur a demandé de choisir le club de NBA qu'ils préféraient, et d'après vous, qui dans l'effectif des Blues a fait le malin? Eto. Hello, I'm Eden Hazard. I play football for Chelsea FC and I support Knicks, New York. Dembaba, number 19, and I support Brooklyn Nets. Andrew Schürrle, number 14, Miami Heat. My name is David Lewis Jordan. I support Miami Heat, LeBron James. Hey, well. Le gros malin, c'est David Luiz Jordan, Jordan LeBron James, Miami Heat 23, David Luiz est un ouf. Et pendant ce temps-là, toujours en Angleterre, il y en a un qui n'a pas pu faire le malin. Cette semaine, Daniel Sturridge, le joueur de Liverpool, est allé visiter une école de la ville et rencontrer des enfants ébahis de voir débarquer leur idole. Sauf que, une des petites filles présentes était fan d'Everton. Attention, ça rock. I'm Daniel. Hi. You're an Everton fan? Most of the cool people support Liverpool. I think you're cool. That's strange because every time I look out the window, all Liverpool players come to school in a dustbin. In a dustbin? Énorme. Donc pour ceux qui comprennent pas bien, c'est que la petite fille lui balance qu'à chaque fois qu'un joueur de Liverpool vient à l'école, il arrive dans une poubelle. Donc, Sturridge est assez surpris. Dans tes dents, Sturridge, gros malaise. Très gros malaise. Et là, maintenant, c'est l'instant love. Oui, l'amour, les amis. Est-ce que vous avez vu... J'adore ma musique. J'ai vraiment bien choisi. Avez-vous vu le match de MLS entre le Crew de Columbus et Philadelphie il y a quelques jours? C'était il y a une dizaine de jours à peu près. Le match s'est terminé sur une victoire des locaux 2-1. Mais contre toute attente, l'homme du match était en fait une femme. En effet, alors que l'on joue la 76e minute de jeu, les téléspectateurs ont été interloqués durant la rencontre par la diffusion d'un orgasme féminin en plein direct. L'image du match a été associée à la bande-son d'un porno. Nous n'entendons, on l'entend pas très bien dans l'extrait qu'on va avoir, mais soyez très attentifs. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'amuse? Non, en fait, la télévision américaine qui diffusait le match s'est excusée. Il y a eu un problème dans leur jumelage son-image et ils ont diffusé la bande-son d'un porno en même temps que les images du match. Ça a duré peut-être 4-5 minutes, mais c'est ça. Et enfin, pour terminer, si on allait tous au Brésil. Ok, cette semaine, je vais vous parler d'une équipe qui s'appelle les Géants du Nord. C'est une équipe de foot de Belém, au Brésil. Les Géants du Nord, en ce moment, font le buzz parce qu'ils ont une star qui s'appelle Wagner Love. Mais quand je vous dis Wagner Love, c'est pas l'ancienne star du CSKA Moscou. C'est Wagner Love, un joueur nain. Parce qu'en fait, les Géants du Nord, comme leur nom l'indique, est une équipe composée exclusivement de nains.
qui a été instauré à l'IA. C'est dur, les coups de pied. Ah ben justement, il joue uniquement contre des équipes féminines ou des U13. Généralement, il gagne et il y a le règlement qui a été changé pour que les coups francs ils puissent monter sur les épaules de l'un de l'autre pour être à la taille suffisante pour contrer le ballon. Sur ce, c'est fini. Bonne semaine. Ah, merci beaucoup Antoine. C'est exceptionnel, bravo. Comme super, d'habitude. Comme d'habitude. Donc on va terminer là-dessus. Merci encore. Merci Julien, comme d'habitude. Très bonne analyse. Sofiane à la régie, merci. Yo. Sid, merci beaucoup. Mehdi. Merci à toi. Kids for Kids, comme d'habitude, vous allez sur la page Facebook. Et vous avez la chance de gagner des billets de l'Impact si vous likez la page. Super. Le plancher qui craque. Merci Antoine. Merci. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour plus de Sans Frontières, African Life, comme d'habitude. Pour plus de foot, la page Facebook, le compte Twitter, hashtag débat SSF. Et on se voit mercredi pour une émission de l'Impact. Ciao, ciao. Soccer Sans Frontières, l'alternative foot.